Bonjour les Minecraftiens, ici c'est B35 pour le deuxième épisode du point de vue de Tales de Sonic Adventure DX Director's Cut. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous les conseille. Et voilà. Et donc, Dr. Eggman, nous venons de battre Chaos 4. Et Dr. Eggman nous montre son chef-d'œuvre flottant avec Caria. On connaît déjà. Et donc voilà, on va continuer tranquillement notre partie à raison de 20 minutes par épisode. Format classique, non? On va passer les animations parce que on les connaît. Elles sont un petit peu retouchées pour mettre plus en valeur Tails et moins Sonic, mais bon. Voilà, quoi, on les connaît quand même. Un défaut de ce jeu quand même, les aventures de Sonic et Tails qui sont presque identiques. Enfin, ça va se corser au moment où ils vont se séparer après... Ah bah, juste après ce niveau, en fait, il me semble. Et après, surprise. Attends, là, 2 secondes, Sonic. Ok, on y va. Sky Chase, aujourd'hui. Sky Chase, c'est un petit peu différent des autres niveaux. Il y en a deux dans la partie de Sonic, en tout cas. Enfin, du coup, comme c'est Tails qui conduit à chaque fois, il y en a deux dans la partie de Tails aussi. Et 0 dans les autres parties. Si je ne m'abuse. Le but des Sky Chase, c'est de... dégommer le plus d'avions adversaires possible. Et au final, essayer d'atterrir sur les carrières pour voir en face. Je dirige pas vraiment le tornado. Il va où il veut. Moi, je peux juste mettre à droite, à gauche, en haut, en bas. Le reste, là, je touche pas du tout au clavier. Je gère pas les gaz, je gère pas la direction vraiment du coup. Allez, on continue. C'est moins épique que je trouve que la première fois. Chose qui... C'est un petit peu la blase, en fait. La répétition. Enfin, c'est fun quand même. On aime ça. Et là, il me suit un dégât. Enfin, du saut pour l'avion. Et je l'ai complètement bouché. Et j'en ai conscience. Voilà. Alors, on y retourne. Désolé, c'est la période des rues, hein. Mois de novembre. Faut savoir que si nous percute, ça fait mal. Pas juste décoratif, pas juste une mine à point. Je prends pour qui? Il est très bon. Hein. Aïe, d'accord. Je prends pour les puissants. Ouf, tu parles. Voilà, je sais pas trop où je suis. Désolé si je ne dis rien. Moi, je comprends rien du tout. Fire. Ce crotch. À la fin de cet épisode, j'arrêterai mon tournage. Parce que là, j'ai quand même fait 11 fois 20 minutes de gaming d'affilée. Je peux vous dire que qu'au bout d'un moment, on a envie de faire une pause. Plusieurs heures d'affilée, oh là là. Quelle horreur. Et on retombe pas du tout au même endroit que Sonic, c'est là qu'il se sépare. Sonic n'est jamais arrivé à cet endroit à ce moment-là. En fait. Drôle idée de ces gars quand même, ils sont bleus qui courent plus vite que le son. Je connais pas cette cinématique alors, je vais vous la montrer. Pas qu'elle n'indique pas grand chose d'intéressant. C'est juste un rêve assez sombre de Tails. Tails se réveille et puis voilà. Il s'est levé là, il s'est dit qu'est-ce qui s'est passé, oh mon dieu. Voilà. Enfin je suppose, moi j'en ai pas la moindre idée, mais c'est tellement sympa de finir.
Je patiente tant. You must find the Chaos Emerald, but searching in the jungle is very difficult. En gros, on doit trouver une Chaos Emerald dans la jungle. Et la jungle, elle est où? Oh, il y a un wagonnet ici. Ah bah voilà. C'est simple finalement. Allez, on y va dans la jungle. Oh mon dieu, oui, ça, en effet, c'est la jungle. Oh mon dieu. Non, ça va être labyrinthique, là. J'ai un petit peu peur, je me promets. C'est complètement labyrinthique. Bon, on va chercher au hasard. Si on était dans Minecraft, je placerais des blocs de cobblestone sur mon chemin. Malheureusement, on n'est pas dans Minecraft. Ce qui est bien, c'est qu'on peut monter sur la cime des arbres. Là, je sais pas qui touche. Ah, la Chaos Emerald. Quel coup de bol! Un coup de bol, mais de l'infini, de la mort qui tue. Oh là là, non, non, non. Froggy, t'es vilain! Quel dieu? Quel dieu? Quel dieu? Oh, il y a un truc au-dessus, j'ai l'impression. Ah bah voilà. Donc un éboulement de sable. Il y a toujours un mur invisible, hein, je précise. Ce niveau-là, il n'est pas dans la partie tonique. Je le connais même pas en fait. Oh, faut passer dans les trucs là. Ah, YOLO. Malheureusement pas profiter de la musique pour votre confort à vous. Pas que j'entends un petit peu quand même. Waouh. J'espère juste que le son est bon parce que ça fait assez longtemps que je tourne comme ça sans vérifier les settings. Je vérifierai à la fin de cet épisode. Donc si vous êtes un peu inconforté dans cet épisode, l'épisode suivant sera théoriquement mieux. Voilà, bah voilà, c'est court, c'est fun, c'est speed, c'est un Sonic, c'est avec Tails. C'est du gaming pour le fun. Si ça vous ennuie, n'hésitez pas à passer votre chemin. Bon, je dis ça, je dis rien. Après, peut-être que c'est super fun, super sympa à regarder, mais je peux pas le deviner. Oh. Oh, qu'est-ce que c'est que ce temple? Je connais même pas. Il n'a jamais venu là, avec la partie de Sonic. D'accord, il y a un mur invisible au niveau de ça pour pas qu'on tombe lamentablement dans le volcan. Oh, des échelonnés. Et oh, tu me parles, toi? C'est vrai que c'est quelque chose à dire. D'accord, en gros ils sont téméraires, ils se sont des guerriers bien forts. Ne jubilez jamais votre victoire, d'accord. Ce sont des philosophes aussi. Ah, c'est bâtard, je le causais, c'est à ton copain. Mais c'est pas vrai, ils disent tous les deux la même chose. Je me suis trop excité. Oh là, il se passe quelque chose dans... dans cet endroit. Quelque... je ne sais absolument pas quoi et je ne sais pas comment en sortir. Prise de tête en perspective. Je pense que dans ce petit espace pas bien grand, il doit y avoir un coin où il y a une animation cachée. Est-ce qu'il y a un échiné auquel je n'ai pas parlé?
D'accord. En gros, ce sont des guerriers. Tout ce qu'il y a à savoir. Je vais monter quelque part. Là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un machine immobile. Incroyable. Ah, c'est le bruit tendir, je pense. Tu devrais rechercher le rythme batch. Quand on porte, on peut tourner encore plus vite. Presque comme si on dansait. D'accord. Et je suppose que c'est ça l'objet clé. Ah bah. Franchement, moi j'ai un bol de tous les diables. You found the rhythm badge. To do continuous tail attacks, hold the action button down. D'accord. Ah ouais, je comprends. Ok. Je massacre tous les esquimés, moi. Aucun. Les serviteurs sont les 7 chaos émeraudes. C'est une prophétie, ça. Je vous jure que c'est une prophétie, ça. Vu comment ça sonne. Hein. Bonjour, mon ami. Comment vas-tu? Ça, c'est pas la prophétie. Que disais-tu avant? Prophétie. C'est quelque chose que ma grand-mère m'a appris. Une prophétie. J'écoute. Je suis tout ouïe. Les serviteurs sont les 7 chaos. Chaos est le pouvoir enrichi par le cœur. Faudrait que je note quelque part ça, parce que je crois que ça a une importance. Le contrôleur est celui qui unifie les chaos. Mais je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Ouf, tu me rassures. Mais le numéro 7... c'est le nombre d'émeraudes qu'il y a. And you are? Tikal. Ah ah, d'accord. Et là, c'est bizarre. Et là, il se retrouve avec Froggy dans les bras, normal quoi. Et Big the Cat juste à côté. Genre, j'aurais fait Ice plus tôt, j'aurais débloqué Big beaucoup plus tôt en fait. Et il faut dire qu'il a dépassé l'eau. Wouah! Pick up that Froggy. C'est assez curieux quand même. Hein. Assez space, je re-regarderai la vidéo pour bien comprendre. Parfait. Pendant ce temps-là, il y a Sonic qui poursuit les carrières dans les Red Mountains. Et moi, je vais arriver à le sauver avec ma Chaos Emerald. Et il y aura un deuxième Stage Chase. The time has come at last. This new plane should work a lot better. I've ironed out most of the problems. So, here it goes. Emerald, do your stuff. L'émeraude a des sensations. La partie de Tails va beaucoup plus vite que celle de Sonic, j'ai l'impression. Oh, d'accord, rien que ça. C'est créer son propre logo. Des deux queues. Il est assez spécial, il a deux queues. Sans blague débile. Obligé de faire une ellipse, je fus. Téléphone. Le sonna le téléphone. Bref. En plus, le numéro masqué, publicitaire, spam, vous voyez le style. Bon, vous n'avez rien raté, donc ne vous inquiétez pas, j'ai diminué la fenêtre à ce moment-là. Donc vous n'avez rien raté. Je mets en pause quand on diminue la fenêtre. On s'en fiche. Tails vient sauver Sonic qui était paumé au Running Tails. Sonic saute dans le vide, Tails se rattrape au vol normalement. C'est normal quoi, c'est simple. Nous allons leur apprendre une leçon. Oh bon courage, hein. Je pense pas que Dr. Eggman connaisse cette table de multiplication. Alors j'espère qu'il n'y a pas de problème de son, vu que je n'ai pas vérifié. Oh là là, il y a beaucoup plus de monde que dans la première stage chaise.
Je fais rien. Je suis patiente. Faisons que ça se passe en essayant de faire le meilleur score possible. Sans qu'à faire. Sachant que je suis très très mal parti là. J'ai eu à peine 15% de l'adversaire nécessaire. C'est le quatrième sketches qu'on a fait. Et ce sera surtout le dernier. Plus let's play. Après ce sera. Quand on aura terminé toutes les parties, ce sera beaucoup plus calme. Déjà que la partie Big et The 4 sera déjà assez calme. Ah là là, le guac! La pêche fera des accélérés. Avec Big The 4. Les parties de pêche. À vrai dire, ce sera tellement pas passionnant que je sais même pas si je vais le diffuser. Les épisodes de Big seront relativement courts, je pense. Ou bien alors, dans le jeu normal, mais pour moi ça part en pays de jeu beaucoup parce que je choisis d'accélérer à 1,5. Hop, j'utilise le viseur magique. En évitant les balles, de préférence. Ah là là, le guet-apens poli par le vire, c'est assez... Oh, oh, yola, yola. J'ai bien compris si c'est une bonne idée. Oh non, j'y vais trop yolo là, ça va pas le faire, ça va pas passer. Non, non, aïe, aïe, aïe. Je prends une balle, là je meurs dans la face. Les balles sont quand même limitées, c'est très réaliste. Dès que t'es plus sur le bouton, t'en tires 3 ou 4. Voilà, si je me prends la bonne balle, c'est mort. Ah ah ! Il est mort. On va être en souffrance. Et j'ai fait 35% de pourcentage, c'est pas trop mal quoi. C'est 1% de moins que la dernière fois. Seulement. Enfin l'avant-dernière fois, l'autre fois j'ai pas regardé. Voilà, ça c'est une mission parce qu'on a fait... Incroyable, ce truc est immense. Ah bon, on l'avait pas remarqué, tu vois. Don't get any ideas. You have no idea what this is. Et c'est la fin de l'épisode. On regarde cette animation bien belle du vaisseau qui se transforme. Et on se donne rendez-vous à l'épisode 3 du point de vue de Tails. Et voilà, on passe l'animation. Et voilà, et je vous dis à bientôt, à la prochaine. Salut à tous. Ah ouais. Trampoline. Youpi. Best of trampoline. Youhou. Youhou. Allez, au revoir.